je ne peux pas faire ces efforts pour vous. Je ne peux pas vous donner l'intérêt si vous ne l'avez pas. Vous comprenez? Je peux seulement vous parler que mon intérêt ne cesse de changer de direction tout le temps. Je me souviens, je me suis donné, regardez la couleur rouge en marchant. C'est la rue le plus... Il y a beaucoup de bruit. Et pourquoi? Je lutte pour écouter le nada. Et chaque fois que je vois la couleur rouge, si j'ai perdu un peu, je recommence. Dans le bruit. Et à cette époque, ça allait tepou-tepou. Vous connaissez que ça tepou-tepou. Chaque fois que je voyais le couleur rouge, un homme qui passait là, une cravate rouge, femme, écharpe rouge, voiture rouge, le feu rouge. La voiture qui ralentit, rouge, saloon derrière. J'ai lutté pour ne pas le perdre. Alors j'ai généralement commencé d'aller de rue de Cherchemidi jusqu'au jusqu'à Saint-Germain, rue du Bac, qui est à peu près 10 minutes de marche. À cette époque, je peux marcher. J'ai fait le retour. Et je me demande comment est-ce que je l'avais fait. À cette époque, comme je n'avais pas d'élèves pour gagner ma vie, j'avais que 3 ou 4 enfants qui donnaient des solfèges. J'ai gagné une misérable somme de rien du tout. Et quand j'ai rentré chez moi, la musique, ça chante dans mes oreilles. Et voilà, j'y mets l'argent. Papier de musique, il me faut 32 portées. Où manger? Et la plupart du temps, c'était le papier de musique qui a gagné. Et malgré ça, j'ai travaillé. Le nada, c'est un étonnant moyen. Je dois le commencer, cette lutte. Je dois le commencer. Il faut que je le commence. Vous tous, n'est-ce pas, je vous ai lu que ce que le Christ a dit au départ, je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais le glaive. Qu'est-ce que ça veut dire un glaive? C'est une bataille. Bon, je veux vous lire une autre chose qui peut vous aider tous. Chaque fois qu'il s'assit pour méditer, pendant tout le temps qu'il fournit l'effort de rester concentré, il doit garder en lui le sentiment d'être dans un cloître intérieur, dans un état de profond recueillement. C'est ça que j'ai fait en marchant du boulevard d'Aspail jusqu'au rue du Bac, et parfois tout le long de leur boulevard d'Aspail, j'ai augmenté les difficultés. De cette façon, il sera soutenu dans ses luttes pour demeurer uni à l'aspect supérieur de sa nature, au-delà du temporel, de la dualité, pour autant qu'il l'ait déjà reconnu. Vous voyez, je suis un homme profondément religieux, pas sentimentalement religieux. C'est vrai qu'on doit arriver à un état où il y a le rien en nous, mais ce rien n'est pas le rien comme on le pense ordinairement. C'est une panne néant, c'est une rien qui est constitué d'êtres des consciences infinies, avec très inadéquatement expliqué tout ça, avec le souffle de l'infini